Tu jouais super bien de la CDC, c'est vraiment ça. D'ailleurs, très souvent, on cherche des pédales d'effet ou des simulations pour se rapprocher du ACDC. Et souvent, moi, ce que j'entends beaucoup de gens qui ont beaucoup trop de gains par rapport à quand on écoute ACDC. Parce qu'en fait, c'est juste des amplis où il y a beaucoup de dynamique. Et c'est la main droite anciennement de Malcolm ou du nouveau qui va donner ce côté vraiment très tranchant. Parce que si on joue tranquille, on a un son clair. Si on commence à rentrer dedans, il y a un truc que dit Joey Bonamassa que j'aime beaucoup et je pense qu'on a un peu oublié. Alors désolé Zorg, il va m'en vouloir. Mais en fait déjà avec votre guitare et votre ampli, vous avez sérieusement de quoi faire niveau effet. Et votre premier pedalboard, c'est votre guitare. Et le deuxième, c'est l'ampli. Et après, tout va venir se faire ici, quoi. Donc, c'est ça qui est génial. Vous voyez bien qu'il y a une dynamique. Voilà. Bon, je pense que de toute façon, j'ai entendu que des bons guitaristes ce soir. Donc.
Il faut savoir ce que Thierry teste tous ses amplis dans une maison avec un voisinage qui le déteste de plus en plus, mais qui lui permet de façonner ce super son. Voilà. Depuis que j'ai remonté mon 4-12, je l'avais pas. C'est ça. Voilà, merci à tous. J'en profite juste quand même pour saluer Tony, hein, parce que franchement, superbe, magnifique. Ce qui est génial avec une bonne guitare, c'est une guitare qu'on prend en main et qu'on se sent vite à la maison, en fait, tu vois. Donc, félicitations, elle est, en plus d'être très belle, elle sonne très bien. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer.